Salut tout le monde, c'est Thiab, épisode 19, avant-dernier épisode, face à face avec le diable. C'est parti, objectif triple S. Pourquoi avoir tué mon enfant? Je répète la question. Pourquoi avoir tué mon enfant? Parce que tu as tué ma mère. Ah. C'était par vengeance. Je vois. C'est plus que ça. Oh. C'est pour la liberté. La liberté. Tu sembles avoir toute la liberté qu'il te faut. Celle d'assassiner mon héritier. Non, c'est pas de ma liberté que je parle, c'est de celle de l'humanité. L'humanité. Et que ferait l'humanité de cette liberté, à ton avis? Les humains étaient libres avant. Et à quoi passaient-ils leur temps? À se battre, à tuer, à affamer. J'ai apporté la richesse. J'ai apporté l'ordre. Qu'est-ce que tu as apporté? Outre la violence, la guerre, la mort. Allez, Dante. Vas-y, tape là où ça fait bien mal. En fait, Mundus, t'as raison. C'était pas pour l'humanité, c'était pour me venger. Et tu veux que je te dise? Tuer ton enfant comme ça, le voir exploser en milliers de petits morceaux gluants, t'entendre crier comme une de tes putes démoniaques, ça a pas de prix. Ça sent la chute, hein. Ça doit faire mal un peu quand même. Ah oui, ça va plus un peu là. Faut pas hésiter, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, moi. J'ai rien fait. Laisse mon frère tranquille. Ça va, donc? T'as pris ton temps. Ça fait plaisir. Oula.
vraiment. Ah, c'est peut-être un peu plus gros quand même. Bon, c'est moins pire que ta maîtresse, mais c'est bon. Hein. Ouais. On peut le tuer maintenant. Vous allez mourir. Jamais. Une idée. Tu vois son œil là. Ouais. Son fils avait un truc du genre. Commençons par là. Il faut arriver à l'ouvrir. Je suis mon douce. Mais un connard. Occupe-le pendant que j'essaye d'ouvrir ces failles. N'attaque pas! Reste en vie tant que son œil est à couvert! Ok. Ah bah heureusement qu'il reste quelques immeubles hein. Sinon on verra ce que j'irai mon niche. Ah non, d'accord, ça change, c'est pas possible. Ah bah non, c'est compliqué ce choix. Il y a trop de débris sur ce là. Ah, merci, frangin. Bien joué. Des fissures apparaissent. Dante, tu vois ça? Ouais, je vois. Il est toujours là-dedans. Il faut trouver un moyen de passer et de le tuer. Donc, allez, on y va. On va par là, hein. Une voiture là, qui bloque le coin. Ah, d'accord. Et le mec, il s'est en pied, c'est quoi? Oh. Pourquoi son corps était là? Donc Mundus a fusionné avec son incarnation physique. C'est pour ça qu'il le protège. Donc si on tue son corps, on tue Mundus. Oui. Voilà, c'est le principe. Ah non, pas. Ah attends, je me fais bloquer par une chaise quand même. Je pète des murs, mais je me fais bloquer par des chaises. Magnifique. Ah! Salut! Ah! C'est compliqué là. Allez, on peut arrêter de fuir, généralement on peut se battre. Qu'est-ce que tu lui appelles? Bon, comment on bat ça? Ah d'accord, faut lui baiser la mort. Vas-y. Il semble que quand il est rempli de lave la passerelle, il faut faire autre chose.
Comment j'ai ce qu'il fait, moi? Alors ouais, d'accord, t'en prends un, t'en prends trois, quoi. D'accord, là, c'est en allant en l'air. Hop. Ok. Non, mais j'ai toujours pas compris comment on esquivait. Hein. C'est... pas par le haut, ni par le côté. Ben on va recommencer. Hein. On va essayer de voir comment on peut esquiver ces attaques. Bon, on va pas se mentir, je veux bien faire le barbare, mais quand tu prends un roc de la taille de peut-être on va dire 4-5 tonnes, 10 tonnes, bah ça pique. Ah purée, on va vraiment taper tout ça. Voilà les cinématiques, là, un peu, ouais. C'est vrai. Alors, c'est pas que je vois pas grand chose, hein, mais voilà, on skip toutes les cinématiques qu'on peut. Allez, on y va. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Ah, par là. Ah bah non, c'est là d'où je viens. Merde. Allez, bah, ouvre la porte, toi. Au lieu de la crâner avec ton pied, couillon. Pourquoi son corps était là? Donc Mundus s'est fusionné avec son incarnation physique. C'est pour ça qu'il le protège. Donc si on tue son corps, on tue Mundus. Donc. D'accord, j'ai fait zéro dégâts. Oh, je peux même pas rush. Pourquoi je peux pas rush? Ah, ça craint. Voilà. Ah bah j'ai pas esquivé, super. Merde. Bah, j'ai réussi au bout d'un moment à lui bouger un bras. Là, il est plus gentil, il fait moins mal. Pourquoi? Ah, c'est gentil d'approcher. Ah, donne-moi ça. Oula, c'est ouvert. De fois la même attaque, hein. Je peux pas attaquer, genre pas encore. Allez, oh, c'est bon? Ah merde. Ah, j'ai pas esquivé. Thank you.
ça. Voilà. Cassons-nous un deuxième bras. Mon deuxième œil. Merci. Présente-moi tes sales gueules. Merci, c'est gentil. Un bon petit coup de poing, ça marche bien. Oh. Oh. Ah bah. Oh, ça picote ça, non? Un peu. C'est de la pluie ou c'est de la pluie de Mundus? La Russie. J'ai réussi. Yeah! Alors, on sait pas trop ce qu'on a réussi, y a plus grand chose. Y a plus beaucoup d'huile. Hein. Mais au moins, on a réussi. Et bon, j'espère que j'ai réussi le score avec. Réveiller le démon. Ah oui, d'accord. Je crois, avec mon niveau anglais qui est particulièrement médiocre. Ah non, double S en temps. Oh là là. Oh là là. J'étais si long que ça, 4 minutes 3. En vrai, bah ça suffit quand même. Ça me va, ça me va. Peut-être à 3 secondes près. Ah, tant qu'on a réussi à défoncer ce boss. On se retrouvera pour la dernière mission. Voilà, pour ceux qui savent pas à quoi consiste la dernière mission, bah je vous laisse voir ça demain lors du dernier épisode des missions Néphilim. Donc à demain. C'était Tiob. Ciao.